Et coucou, bienvenue sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo. Coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Oui, finalement je vous revlog. Je viens de terminer mon montage que vous avez eu lundi dans la journée. Vous aurez ce vlog mardi dans la journée aussi, ça dépendra quand je pourrai faire le montage. Avec ma jambe, je berce mademoiselle Liana, je suis en compagnie de Léna qui boit son biberon. Bon, je vous parle en même temps que je vais mettre ma vidéo sur YouTube. Vous le savez que j'avais dit que tout simplement, je m'étouffe, je suis clairement bien malade, enfin re-malade je dirais même, hein. Comme je vous ai dit pour la troisième fois, mais c'est du n'importe quoi ce début de vlog. Du coup, je vais faire ma miniature, je vais faire tout ça, les petits, tout ce qu'on doit mettre sur YouTube. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo, je pense au mois de mars, pour vous montrer comment je programme mes vidéos, qu'est-ce qu'il faut savoir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se lancent sur YouTube et qui aimeraient savoir tout ça. Donc promis, au mois de mars, je vous sors cette vidéo. Et si au cas où je ne la sors pas, n'hésitez pas à me le dire. Allez, je programme. je m'étouffe. Je programme tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, alors je vais vous montrer. Donc vous vous rappelez, je vous avais fait voir les pots. Là, j'ai reçu ce qui me vient de Etsy. Je vous l'avais dit que je les avais commandé les étiquettes. Donc du coup, voilà, je vous mettrai au cas où si vous voulez le lien, je vous le donnerai. Donc tout simplement, nous avons une petite carte ici. Je sais pas si vous verrez bien. Hop là. Allez, s'il te plaît, la mise au point. Voilà une petite carte où dedans on nous explique comment s'en servir et un petit mot avec merci. Alors, je cherche moi les étiquettes exactement pareil, tout simplement pour mes tablettes de la vaisselle, le sel de la vaisselle et tous mes petits pots d'épices. Je sais qu'il y a une personne qui m'a dit de la contacter sur YouTube, mais en fait je lui ai répondu, je n'ai pas son adresse mail, etc. Donc je ne peux pas la contacter. Donc si tu passes par là, envoie-moi un petit mail, il y a mon adresse mail en barre d'infos, ou alors sur Instagram, tu as le lien aussi, que du coup je ne sais pas. Bref, alors les étiquettes se présentent comme ceci. Alors moi en fait ce que je veux, c'est les mêmes étiquettes, sauf qu'en haut je veux pas ça et je veux pas ça. Étiquette classique, donc shampoing j'ai pris. J'ai pris gel douche. J'ai pris après shampoing, elle est un petit peu plus petite parce que c'est pour le format plus petit. Et j'ai pris liquide vaisselle et savon pour aller dans la cuisine. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tous mes petits pots et je vais vous mettre à m'accélérer. Voilà, je vais les coller avec vous. Donc moi en l'occurrence mes pots sont neufs, donc ils ne sont pas du tout comment dire, ils sont pas du tout huileux, etc. Donc il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai tous mes petits pots. Et je pense que clairement je rachèterai d'autres pots mais en plastique. Voilà. Mais un petit peu plus tard, parce que là, chaque chose en son temps. Liana a mangé, Léna a déjeuné, elle a été changée, je lui ai mis le suppôt, etc. Mais Liana, j'y ai fait un break là dans le biberon. Parce que voilà, je ne veux pas qu'elle vomisse. Allez, c'est parti. Bon, clairement, il y a une ou deux étiquettes que j'ai un peu mal collées, mais ce n'est pas grave. Et comment vous dire que je suis toujours en affection devant cette neige. Voilà, je l'aime tellement d'amour cette neige. Bref, il est 10h05. Non, il n'y a pas le chat. L'appel le chat. Je vais me caler, voilà. Et ma maman va venir me chercher à midi. À midi, tout simplement, elle va venir me chercher. On va aller à Mondial Tissu parce qu'elle veut des sangles. Moi, j'achète rien parce que je ne fais pas de couture. Donc, du coup, je vais aller avec elle. Et à midi et demi, je récupère mon drive. Après, je vais rentrer à la maison. Tout ce qui craint, je vais tout simplement le mettre de côté. Et je vous ferai ici le retour de course sur cette vidéo. Je vais tout mettre sur ma table et je vous montrerai clairement ce que j'ai acheté. Et après, à la fin de la vidéo, je vous dirai toutes les recettes. Voilà, on va faire comme ça. Et puis si ça vous plaît, je continuerai.
Comme ça vous allez voir, c'est un gros retour de course parce que j'ai pris pour faire 20 repas. Des repas qui sont sur l'application Jo et des repas que par exemple croque monsieur etc. qu'on va faire nous à part. Voilà, vous avez Léna qui parle. Voilà, j'ai pris des trucs basiques à côté, genre les knackis et tout, sachant qu'il me reste, je crois, 4 ou 5 morceaux de viande au congèle. Donc voilà, il me reste des pâtes, il me reste du riz, il me reste des patates, il me reste des légumes. Donc voilà, je pense que j'ai au moins pour faire 25 repas en tout. Sachant que comme je vous ai dit, en fait j'ai fait des courses pour 15 jours parce que mon chéri part pendant une semaine la semaine prochaine et je ne veux pas être coincée. Il me restera juste les couches parce que j'ai oublié de les mettre sur le drive, donc les couches et les croquettes du chien. Voilà, tout simplement. Alors elle, mademoiselle, elle sait très bien dire maman hein, mais non, toute la journée papa, 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 et maman elle pue, en fait c'est ça. Et j'ai ma copine qui, je pense pas qu'elle passe par là, elle m'a dit que ça y est, sa fille qui a un peu plus de 14 mois parce qu'elles ont 15 jours d'écart marche. Ben moi la mienne marche toujours pas. Donc on verra, on verra, on verra. Mais je vous avoue que d'un côté je me languis qu'elle marche, et d'un autre côté je me languis pas du tout, parce que je crois que quand elle va marcher, elle va foutre le bordel. Bon, ça va qu'ici on a mis la barrière, elle ne peut plus sortir du salon, hormis quand on est là-bas etc. D'ailleurs j'ai une mauvaise nouvelle. Rip, le lapin est mort. Ouais. Alors c'était pas mon lapin, c'était le lapin de Chloé qui après Lola l'a récupéré, tout simplement parce que Chloé ne voulait plus s'en occuper. Ouais voilà, les ados hein. Mais je sais qu'elle va passer par là, elle va se reconnaître. Ben hier en fait, alors avant-hier ça allait très bien, on lui a donné à manger, machin et tout, à boire comme d'hab quoi. Et en fait hier Cédric il me dit je crois que le lapin il est dur. Voilà, un truc comme ça. Et en fait il s'avère que le lapin est mort, donc ben du coup je ne vais pas m'embêter à mettre à vendre la cage du lapin par la poubelle. Voilà, parce que je sais très bien que si je vais la vendre 20 euros, les gens vont la négocier à 15. Et si je la mets à donner, les gens vont te dire je viens, et au final ils viennent pas non plus. Sachant que j'ai une cage aussi d'hamster, bah, tout par la poubelle. Voilà, tout simplement, c'est pas grave. Voilà, je vais juste tout nettoyer, mais pas là. Je vais tout nettoyer cet après-midi, dans l'après-midi avec les petits. On va nettoyer la cage, tout vider. Parce que du coup on a enlevé le lapin, forcément, mais on a laissé la cage là. Et on va s'en occuper aujourd'hui d'enlever la cage. Sachant que du coup, en fait, la cage était posée sur une table basse. Et ben du coup, les cartons que je vais attaquer à faire, bon, il y en a certains que je vais mettre là-haut et tout parce que ça ne craint pas par rapport à Léna. Elle ne se les prendra pas dessus, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, ce qu'on va faire un peu dans la maison, un peu de partout, je vais les stocker. Ok, 4, 5 sur ce meuble. Voilà. Parce que du coup, je ne peux rien mettre dans le garage. Il y a de la poussière, il y a le chien, il y a tout le bordel dans le garage. Donc il va falloir stocker de partout. Sachant que moi je ne peux plus rien stocker dans mon atelier, c'est blindé. Même pour faire une vidéo là c'est impossible. Donc là il faut que je liquide un peu tout le bazar là, faire des cartons et puis après on va mettre un peu de partout. Là ça y est hein, comme je vous ai dit, dans 2 jours j'attaque vraiment les cartons et on va se retrouver avec des cartons de partout. Alors là c'est le bazar parce que je laisse tout traîner parce que je n'ai plus envie de ranger, clairement je vous l'avais dit. Mais là il va y avoir des cartons de partout, on va un peu camper. La première chose que je vais mettre en carton je crois c'est tous les affaires de l'armée de Cédric, que ce soit ses pièces parce que c'est un collectionneur de pièces, et tout ce qu'il y a à l'armée, les trophées etc. Je vais tout mettre en carton. Et après vous voyez par exemple en haut, ben je vais faire du tri, il y a beaucoup de choses qui vont partir à la poubelle, mais beaucoup trop, enfin beaucoup, non, et pas forcément la poubelle. Je vais tout mettre dans un carton et on va le mettre par terre à côté de la poubelle parce que je sais que ça intéressera beaucoup de personnes, mais ça vous allez le suivre dans mes vlogs. Bon, je vous montre, en fait c'est ces poufs, regardez, c'est les poufs ronds comme ceci et ceci, ça c'est pour mettre mes petits pots du coup sur la douche. Voilà, et en fait là c'est le petit format. Et je cherche également le gros, mais le gros pour l'instant est en rupture et je pense bien qu'à mon avis il n'y en aura plus. Voilà, alors si au cas où il y a des personnes qui ont ces poufs de cette boutique qui les vendent les gros, je suis preneuse. Voilà. Bon, je pense qu'à mon avis, il n'y aura personne hein, parce que je crois que c'est sorti il n'y a pas très très longtemps, enfin il y a quelques mois en arrière. Mais bon, on ne sait jamais. Je cherche deux gros gris et des beiges aussi. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, dans notre chambre, on va mettre deux dressings. Pas un, mais deux. Tout simplement bah, parce que, un, j'ai tellement de fringues que ça ne va pas aller. Voilà. Dans mon homme, il m'a dit il faut en mettre deux. Donc du coup on va aller en acheter un, je pense déjà ce week-end, avec les cintres. Et parce que les cintres il nous en faut au moins je dirais
pense qu'il va nous en falloir 60 à chacun. Enfin moi pour ma part il m'en faut au moins 60. Donc du coup on va en prendre 60 là. Bon après chez Action ils sont à 3€ les 10 hein, donc ça va. Je les veux en velours. Comme ça au moins les vêtements ils tombent pas. Et on va aller en acheter un là dressing. Et on va en reprendre un je pense fin mars. Parce que il nous le faut pour avril et en avril il y a encore tous les trucs de ménager, l'essence, le repas pour le déménagement, etc. Donc comment vous dire que voilà, on va en prendre un là ce week-end et on va en reprendre un en la fin du mois de mars. Comme ça au moins on aura les deux avec les cendres, bien évidemment. Et je pense que ça va faire super joli parce qu'en fait on va en mettre un comme ça. Il ira à la porte de ma salle de bain, donc mon lit sera ici. Et en fait, l'autre, là, il ira à la porte de la salle de bain et l'autre sera là. Donc en fait, on aura juste l'écart de la salle de bain. Et ça va faire super top. Voilà. Vous devez l'entendre. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, mademoiselle? Pourquoi tu tires la langue? Ouais, aujourd'hui... Je ne sais pas si vous l'aurez vu, mais aujourd'hui, elle a... voilà. Je la regarde dans le retour. Elle fait le pitre. Aujourd'hui, elle est en pyjama, elle n'est pas coiffée. C'est pas grave. Cet enfant a toujours le sourire. Qu'est-ce que c'est agréable. Eliana, c'est exactement pareil. Maintenant, elle nous fait que des sourires. Dès qu'on lui parle, des grands sourires. C'est trop, trop mignon. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre mon lien de parrainage en barre d'infos pour Joe. Alors en plus de ça ce qui est cool c'est que avec mon code promo au moment en fait que vous passez en caisse il faut 3 recettes minimum si je dis pas de bêtises ou 4, enfin pour 60€ d'achat. Tout simplement en fait au moment de payer vous avez tout simplement un endroit où il y a marqué, vous marquez tout simplement en fait mon code promo que je vais vous mettre en lien sous la vidéo au cas où s'il y a des personnes qui veulent se lancer. Franchement je pense que ça va être une pépite. Je pense que ça m'a coûté bien moins cher de faire comme ça. Et en plus voilà, j'en reviens au code promo. Avec mon code promo vous avez 5€ sur votre première commande qui vous est déduit et sur la deuxième commande vous avez également 5€. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi par exemple je n'ai pas pris de code promo pour les deux commandes que je viens de faire parce qu'en fait j'ai fait une première commande et en fait la deuxième commande j'aurais aimé avoir un code promo du coup au moins j'aurais pu avoir 5€ de moins sur la première et 5€ sur la deuxième. Mais c'est pas grave, voilà. Mais je vous en parle parce que je suis pas du tout en partenariat avec Joe, pas du tout. Mais je pense que pour les familles nombreuses, les personnes qui n'ont pas envie de se casser la tête ou alors qui aiment bien les recettes qui changent, parce que moi dans cette vidéo je vais vous dire les recettes en fonction des courses que je vous aurai montré. Je vais tout simplement vous dire les recettes. Franchement il y a beaucoup de saumon parce que moi j'adore ça. Il n'y a pas beaucoup de viande parce que moi je ne suis pas fan de la viande. Voilà, j'en ai plein le congèle en plus. Donc du coup le seul repas que j'ai pris en plus des recettes c'est pour faire les faritas. Donc du coup et encore j'ai tout pris séparément. Et voilà parce qu'au congèle je vous dis j'ai encore plein de viande. Et voilà j'ai pris beaucoup de saumon. Il y a des recettes avec des épinards, avec des poireaux, avec des ravioles, tout ce que j'aime. Voilà, ça va être trop bon et j'ai trop hâte de découvrir tout ça. Et dans la nouvelle maison, je vous ferai des recettes en fonction de ce que je vais... parce que je pense que je vais continuer avec Joe au moins une fois par mois. Et du coup, je vous ferai des recettes, mais dans la nouvelle maison, parce que là, clairement, c'est le bordel. Et pour cadrer, c'est trop compliqué dans cette maison. Mais là-bas, ça sera bien mieux. Voilà, mais par contre si je fais des recettes que je ne vous les montre pas, je vous en ferai des photos pour vous montrer réellement ce que ça donne. Ça oui, par contre je vous les montrerai et je vous dirai vraiment ce que j'en pense et si c'est trop bien. Mais de toute façon dans cette vidéo vous le saurez si c'est super bien, parce que moi j'aime bien choisir tous mes produits etc. quand je vais faire mes courses. Mais je vous avoue que ça fait déjà quand même pas mal de mois que je fais beaucoup de drive parce que j'ai plus le temps. Là en temps normal je me faisais livrer par Super U, mais là j'ai fait à Inter, donc ça va être beaucoup la marque pâturage etc. Mais eux ils livrent pas, mais c'est pas grave, c'est plus près de chez moi pour aller à Inter. Et en plus de ça quand je vais habiter Inter c'est juste à côté, donc ça sera impeccable. Mais je vous en redirai des nouvelles. De toute façon n'hésitez pas, en barre d'infos je vous mets le lien tout simplement de Joe et du code promo. Voilà, toujours 10€ sur deux commandes, 5 et 5 c'est plutôt pas mal je trouve, surtout à l'heure actuelle où tout augmente. Voilà. Ah ça filme. Léna t'es où? Ah t'es là. Bonjour, ça va?
Bon, alors vous entendrez sûrement du bruit. Alors, j'ai tout simplement pris celui-ci, tome de caractère et mental mozzarella, cheddar, chèvre, du comté, ces petits fromages parce qu'il m'en faut pour les recettes, un paquet tout simplement de raclette, gorgonzola, de la feta, ceci, trois pots comme ça, je vous laisse regarder, de la ricotta, trois sachets de comté, donc vous les voyez ici, des œufs, normalement j'en ai un deuxième quelque part, ici nous avons du gruyère, il y a trois sachets, deux sachets comme ça de parmesan, de la crème liquide, de la viande hachée et 6 steaks hachés. Ici c'est du saumon, hop, donc vous en avez plusieurs, voilà, vous en avez une bonne quantité. Ici nous avons combien, 1,2 kg de pavé de saumon que je vais congeler. Ici nous avons 5 paquets de ravioles. Ici des crevettes décortiquées, 2 paquets de dos de cabillaud, des yaourts, ça pareil, je dois en avoir un autre paquet, des feuilles de briques, 2 beurre, donc un beurre salé, un classique, 3 paquets de poulet comme ça. Ici nous avons 5 paquets de jambon, voilà, ceci, de la crème, 3 paquets comme ça de trucs de gnocchi, des gnocchi comme ça, et ici nous avons des tagliatelles. Voilà une partie. Là nous avons 4 poireaux, des comme ça, voilà, j'ai perdu le mot, vous les avez comme ceci. Ici vous avez ceci, vous avez de l'ail, des paquets de salade, il y en a 3. Ici nous avons 2 choux-fleurs, un concombre, des tomates, des carottes, des haricots congelés, des sucrines. Ici nous avons des échalotes, des pommes de terre, des champignons. Je crois que c'est du persil, si j'ai pas de bêtises. Du citron comme ceci et du citron jaune. Et du coup, pour terminer, on a un pain frais, on a des pignons de pain, on a des nouilles de riz, des linguines comme ça, pulpe de tomate, du curry parce que j'en avais plus, du concentré de tomate, 2 boîtes de sardines, 3 boîtes de thon, une boîte de riz, de la comment dire, purée. Ici, nous avons des... truc comme ça pour faire tout simplement des wraps. Ici pour faire mexicain, donc du coup j'ai pris la sauce à côté, de la moutarde, des lentilles de corail, ici du confit d'oignon, de la sauce soja, du lait de coco, ici nous avons du beurre de cacahuète, nous avons 2 boîtes comme ceci de tomates séchées, je sais pas si vous verrez bien, du pesto, des haricots comme ça, et ici nous avons 3 paquets tout simplement de pain de mie. Ici nous avons du Nutella, ces biscuits parce qu'ils sont clairement super 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 bons. Ici nous avons un gros paquet de pain chocolat plus de pain au lait, ça c'est pour moi, ça c'est pour les loulous. Et ici, voilà, et pour terminer du coup on a tout ça. Ici on a tout simplement des serviettes pour ma fille, de la lessive, le lait pour les Liana, mon shampoing de tous les temps, du liquide vaisselle et tout simplement des tablettes de lave-vaisselle. Et pour finir, 2 packs d'eau, du papier WC et 3 packs de lait ici parce que qui dit famille nombreuse dit grosse course. Bon, vous voyez ce dé? Je suis bien malade, bon je me suis changée. Ça je l'avais acheté sur Shein, pareil il y a 2 ans. Bon clairement tous mes habits, vous l'avez compris, viennent de Shein. Et pendant que j'étais pas là, que je suis allée récupérer mon drive, parce que oui il faut qu'on mange hein, clairement, je pense que si on ne mangerait pas on serait dans la cacade, voilà. Et il faut changer les culs des enfants aussi. Et oui forcément, et du coup il y avait ça aussi. Il y avait les 2 paquets de couches. Et il y a 1 mois et demi j'ai fait une commande, tout simplement pour acheter mon bureau. Voilà, il y avait moi. Pas un mois et demi, il y a un mois, et il a été livré aujourd'hui, voilà. Alors clairement il est très lourd, il va rester en bas parce qu'en fait en bas là, demain je vais enlever tout ça, tout ce qu'il y a là, je vais rentrer le buffet qu'il y a dehors parce qu'autrement c'est le buffet que j'ai racheté à mon frère, autrement il va être foutu, s'il reste pendant encore 1 mois et demi dehors il va être mort, donc du coup je vais le rentrer. Et les cartons que je vais faire de déco et de cuisine, tout simplement que j'ai acheté, vous savez, Action etc, et ben oh mon frigo il était ouvert, mon frigo il était ouvert. Et ben comment dire, je vais tout rentrer, je vais tout mettre en bas. Et là, vous voyez, je vais manger un petit biscuit. Vous savez, cela là. Parce que tout simplement, il me faut ma dose de chocolat. Voilà, tout simplement parce que ce matin, je n'ai pas déjeuné. Et là, voilà, j'ai pas trop mangé de tout le week-end. J'ai besoin de reprendre des forces. Donc, je mange un petit biscuit en guise de yaourt. Voilà, on adore.
Du coup voilà, voilà. Du coup ce vlog vous l'aurez peut-être un petit peu en décalé parce que je ne sais pas du tout quand c'est que je vais vous le publier. Vous l'aurez pas le lendemain, ça c'est sûr que je vous filme. Parce que voilà, ça va être trop compliqué pour moi de le monter ce soir, clairement. Donc je le monterai demain et vous l'aurez sûrement après-demain. Mais ça, c'est pas bien grave. Et par contre, toute cette semaine, je vais vlogger. Je vais essayer de faire mes cartes aussi cette semaine. Et voilà. Voilà, voilà, je vais vous prendre quasiment tous les jours en vlog en espérant ne pas être plus malade. Voilà, alors s'il y en a qui ont des recettes de grand-mère, j'ai essayé le miel, j'ai essayé quoi? J'ai essayé le citron. Rien ne marche, mais vraiment rien ne marche. Je sais pas, voilà. Mais en même temps, c'est moi qui ai donné à tout le monde. Tout le monde m'en l'a refilé. Je l'ai refilé encore derrière et ça m'est revenu. C'est la troisième fois. Là, clairement, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. Mais bon, le point positif par contre, c'est que Liana n'a plus revomi depuis ce matin. Et ça, je vous avoue que je suis clairement rassurée. Parce que là, non, si elle aurait vomi toute la journée, ça aurait été gastro. Donc là, je pense qu'elle a mal digéré son dernier biberon. Parce qu'elle n'a pas revomi, elle n'a pas de fièvre, elle a bien mangé. Bon, elle n'a pas fini le biberon, mais elle a bien mangé. Bon, elle est quand même à combien aujourd'hui? J'étais en train d'écouter le message local de ma soeur, elle est à 330, donc bon là par contre, elle a mangé, je ne l'ai pas noté, elle a mangé, c'était midi et quart, vous voyez, je ne l'ai pas noté parce qu'en fait j'ai une application, mais je crois que je vous l'avais dit, alors midi et quart, alors je vais vous montrer, midi et quart, elle a bu 80. Et ouais, elle est déjà même à 410, en fait c'est une application comme ça. Et en fait je mets quand elle mange, quand elle est changée et tout. Et là pour l'instant elle est en train de se réveiller, mais je la laisse tranquille, après ça sera le moment câlin. Mais cette application elle est très bien, moi je l'avais pris pour l'allaitement et quand je suis passée au biberon. Pour savoir la quantité qu'elle mangeait, parce que vu qu'elle mangeait toutes les deux heures et pas beaucoup, ça me faisait un petit peu de soucis. En fait j'ai pris le rythme à chaque fois qu'elle fait caca, qu'elle fait pipi. Après bien sûr on peut dire quand il y a les cachets etc. Moi personnellement tout ça je ne le fais pas. Moi je fais juste uniquement les selles et le pipi et tout ce qui est biberon. Voilà, c'est largement assez. Et au moins je vois vraiment l'espace. Par exemple le soir elle a un biberon entre 8h et 8h30 grand maximum, elle tient jusqu'à 1h ou 2h du matin, vous voyez, après elle dort en fait, et elle tient très très bien. Et ben ça me permet de voir vraiment les tétés etc, enfin les calbois quoi, et c'est top. Et je vois aussi quand c'est que je l'ai changé, parce que des fois je me dis autant je l'ai pas changé 2-3h alors que ça fait qu'une heure que je l'ai changé. Mais c'est vraiment tip top. Allez, je vais manger mon biscuit car en plus de ça il s'est cassé, donc ça c'est pas très cool. Et puis je vais regarder, pour l'instant il y a la météo, ouais vous êtes content de la prendre. Et après je vais me regarder un petit film cet après-midi pendant que il y a du silence à la maison. Bon il est plus tard, j'ai une tête, on n'en parle pas hein. Léna goûte, Liana est en train de s'endormir. Je voulais vous montrer ce que ma belle-mère leur a acheté. Alors il manque juste une paire de chaussettes parce qu'en fait je leur ai déjà mis. Regardez, c'est trop mignon. Donc bien sûr il y a deux tailles, il y a la plus petite ici et la plus grande, il y a celle-ci. Et les autres elles étaient blanches et il y avait des petits dessins, donc voilà. Et elle leur a appris, alors à Léna elle lui a pris en 18 mois, donc ce petit short, pas du tout, je n'ai rien bu à midi hein. Ce petit pantalon, voilà, comme ceci, et derrière et comme ça. Donc ça c'est celui de Léna en 18 mois et celui de Liana, elle me l'a pris en 6 mois. Regardez si c'est pas trop beau, c'est trop mignon. Donc vive la différence de taille. Et le truc où j'ai littéralement craqué dessus, mais en fait elle hésitait, elle voulait prendre la rose au début mais il n'y avait pas les mêmes tailles. Et elle m'a dit, Charlène, tu préfères quoi? Les habiller pareil? J'ai dit oui, moi j'aime bien de temps en temps qu'elles soient habillées en pareil. C'est pas des jumelles, c'est pas comme ma soeur, mais j'aime beaucoup. Et quand je vois ma soeur qui habille ses filles de la même manière parce que c'est des jumelles, je kiffe. Donc une fois par mois, j'essaye de leur trouver une petite tenue coordonnée. Et du coup, elle leur a trouvé, regardez, c'est pas trop beau, c'est trop choupinou avec les petits volants ici. Et regardez derrière. Donc celui-ci, c'est le 6 mois pour Liana. Et celui-ci, c'est le 18, non, c'est 23 mois. Ouais, c'est 23 mois parce que 18 mois, il n'y avait pas. Donc regardez, oh, c'est trop beau. Elles vont être trop choupies. Bon, après, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est dès qu'on arrive à la mi-saison. Parce que là, j'ai attaqué le 18 mois à Léna. Mais j'ai pas attaqué encore le 6 mois à Liana. Mais je pense vers
fin avril, début mai, on pourra le remettre. Mais c'est trop mignon, je voulais vraiment vous le montrer avant de les mettre à laver. Parce qu'après, des fois, ils sont un petit peu froissés. Donc oui, hop, on le met ici, hein, parce que la descente des escaliers, c'est là où on fourre tout. D'ailleurs, dans l'autre maison, je ne sais pas où on va tout fourrer. Et ben, alors j'enlève juste ça. Parce que je veux pas qu'elle le mange. Là-bas, on pourra pas. Voilà, il n'y aura pas de petit endroit fourre-tout. Je pense que je vais pas clôturer tout de suite. Je vais clôturer un petit peu après. J'ai demandé à ma soeur si elle voulait venir un petit peu à la maison. Donc, je ne sais pas. J'attends qu'elle me réponde. Et puis, de toute façon, je vous dirai ce soir ce qu'on a fait. Parce que je ne vais pas clôturer maintenant. Je vais tout simplement clôturer ce soir après manger. Il y a des jours où je clôture très tôt. Et il y a des jours où je clôture très tard, mais vu que le montage je le ferai que demain, je ne suis pas pressée. Voilà, tout simplement. Comment tu passes par là? Toutes mes vidéos sont incroyables. Alors, Epic Today. Donc là, je suis accompagnée de Léana, d'Elena. Il est plus tard, il est 19h52. Voilà, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Je crois que vous avez rien vu. On a très bien mangé. Vous aurez vu les petites séquences. Donc c'est les petits qu'ils ont fait à manger avec moi. On a bien rigolé. C'était extrêmement bon. Chloé vous a montré la recette que c'était. Par contre, moi, je vais vous dire les recettes que j'ai sélectionnées pour cette semaine et pour la semaine prochaine. Personnellement, il nous reste du pesto, il nous reste du gorgonzola aussi, donc je ferai des pâtes avec, pas de gaspillage. Donc au menu, ça sera œuf à la coque et mouillette. Je sais pas si vous connaissez ou des mouillettes, je sais pas, ouais, des mouillettes, je crois qu'on dit, et comptez. Du riz au cabillaud, carottes et au beurre blanc, pâtes au thon, citron et ricotta, saumon à la crème, épinard purée express. Donc les épinards, je ne les ai pas, mais j'irai en acheter. Voilà. Les wraps au saumon, donc je ferai avec des salades et on le mangera demain. Demain je ne vous vloggerai pas parce que demain je vais me reposer, comme ça je vais faire mon montage tranquillement. Je vais également essayer de faire aussi les découpes, voilà, ou commencer des cartons. Je ne sais pas mon programme de la journée, mais quoi qu'il arrive, demain je ne vloggerai pas. Après j'ai pris les tagliatelles crémeuses au saumon, repas hamburger frites.
gratin de ravioles au poireau, curry de chou-fleur aux lentilles avec du riz, gratin de ravioles au saumon, pâte thaï crevette, gnocchi poulet champignons et cabécou, c'est du fromage, il paraît que c'est très bon cette recette, une salade d'haricots verts, feta et croûtons, samoussa sardine au fromage frais, donc ça avec une salade, et grilled cheese, donc clairement c'est des croque-monsieur raclette jambon. Après il y avait le gratin de gnocchi, pesto et gorgonzola, c'est ce qu'on a mangé, et j'avais sélectionné des quenelles à la crème, mais c'était pas dispo. Et par contre après on va manger aussi des wraps jambon comté, mais je suis en train de penser que il me manque des galettes de wrap parce que j'en ai besoin ici, et j'en ai besoin, combien il nous marque de galettes pour demain, ouais 5 ici, et en bas il va me manquer des galettes, voilà, ou à moins que ça se fasse, ouais, avec des tortillas, et j'en avais qu'un paquet, voilà, donc j'ai pas vu, donc il va falloir que je le marque sur ma liste, et j'irai en acheter tout simplement. Là vous voyez que mademoiselle Liana s'est endormie, pourtant c'est l'heure qu'elle boive le biberon, mais elle s'est endormie, mais bon, je vais la mettre du coup en gigoteuse. Et puis après, elle va prendre son petit biberon qui est juste là, je l'ai fait chauffer. D'ailleurs, c'est le bordel hein, chez moi, clairement. Mais j'ai remarqué que sur mes vidéos, à chaque fois, on voit les bouteilles d'eau. Et la boîte de lait Galia dans ma chambre, et c'est normal. Parce qu'en fait, le soir, je prépare tous les biberons. Je les mets sur le chauffage, parce qu'on a un chauffage en fonte. Au moins, toute la nuit, elle a son biberon qui reste chaud. Et après, forcément, j'ai la boîte de lait qui est dans ma chambre. Voilà, tout simplement parce que je ne vais clairement pas faire tous les allers-retours en haut, en bas, en haut, en bas, toute la nuit. Et elle s'est même pas réveillée. Je l'ai posée, généralement qu'elle ne dort pas trop profondément, elle se réveille, mais là pas du tout. Là. Mais je vais quand même essayer de la réveiller un petit peu pour lui donner son biberon, parce que là je sais très bien qu'autrement elle va partir pour faire juste un petit bout de nuit. Et non, c'est pour qu'elle soit réveillée dans 2 heures, non, sachant que là normalement elle devrait dormir de 20h30, 21h à 1h du matin ou 2h. Vous entendez, hein, je suis bien malade. Je crois que ça doit être super pénible pour vous. C'est pour ça que demain je me mets off. Et je vous reprendrai du coup en vlog mercredi. Donc vous l'aurez soit pour... ouais, vous l'aurez pour jeudi. Voilà, le vlog de mercredi, vous l'aurez pour jeudi. Du coup, je vais vous laisser là. Je vous retrouve jeudi du coup dans une nouvelle vidéo. Si au cas où demain je suis en pleine forme, peut-être que je vloguerai, mais clairement, je vais pas vous dire je vais vloguer, autant je vloguerai pas. Donc vous verrez bien si vous avez un vlog mercredi, autrement vous l'aurez jeudi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à jeudi maximum. Bye bye.